Bonjour. Dans cette capsule, je vais te montrer comment ajouter tes comptes courriel de la commission scolaire à ton appareil mobile, soit ton iPad ou ton iPhone pour commencer, puis sur un appareil Android par la suite. Donc, pour commencer, nous allons débuter avec le compte courriel d'Office 365. Donc, premièrement, tu vas aller dans Réglages. Là, c'est sûr que l'apparence peut varier selon le iOS que tu as présentement sur ton iPad. Maintenant, je vais te montrer comment ajouter ton courriel de la suite Google à ton appareil mobile. Donc, tu vas aller dans les réglages. Tu vas, dans tes réglages, descendre jusqu'à mot de passe et compte. Puis, tu vas aller appuyer sur « Ajouter un compte ». Puis, dans les choix qui s'offrent à toi, tu vas choisir « Google ». À la question réglage, soit tu utilises google.com pour se connecter, tu vas appuyer sur « Continuer ». Donc, tu vas être à l'écran de connexion. Et ici, tu vas mettre ton courriel de la commission scolaire pour la suite « Google ». Donc, ça débute par ton numéro de fiche. À commercial, clr.csdc.qc.ca. Tu vas ensuite appuyer sur « Suivant ». Ensuite, on va te demander d'entrer ton mot de passe. Une fois ton mot de passe est entré, tu vas appuyer sur « Suivant ». Et là, une fois que tu vas être authentifié, on va te proposer les options de ce que tu peux avoir de ta suite sur ton appareil. Donc, par exemple, tes courriels. Donc, on va recevoir nos courriels, on va laisser ça activer. Ton calendrier, bien évidemment. Pour le contact, c'est à toi de voir si tu veux les avoir sur ton appareil. Et tu appuies sur « Enregistrer ». Et voilà, ton compte Google est ajouté à ton appareil mobile. Donc, tu vas pouvoir aller voir tes courriels ici, dans l'application Mail de ton iPad ou de ton iPhone. Maintenant que la suite Google a été ajoutée à ton appareil mobile, tu peux également consulter via l'agenda les diverses échéances des travaux qui te sont partagées via Classroom par tes enseignants.